Des balivernes nordiques, espèce d'ignorant pompeux. Oh. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenici, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Tu me défies du regard. Quoi que ce soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenues. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au... Je te tourne le dos. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises barbes. C'est clair. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. 7000 marches une fois, vous savez. Le haut Rodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles. Je demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au haut Rodgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Okay, chef. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Merci. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure. Lydia, une femme. Et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. Ouais, c'est pas faux. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Trop cool. Trop cool. Tan. Enne. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Wouah. Honneur que tu sois ma Tan. C'est moi qui vais Tan. Désolé. Ça signifie quoi? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Intéressant. Qu'est-ce qu'un Huskarl a chargé de faire? Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Intéressant. Allez, suis-moi. Je vous suis. Lydia. Lydia. Ouais, c'est pas mal. Je vais juste... Oh là, non. Range ça. Tu dégaines quand je dégaine? Il se raconte des choses parmi les gardes. Pas mal. Vous saignez. Je vais juste... passer le temps et les 2 heures, je vais attendre 7 heures, il sera 9 heures du matin. Allez, ça défile, ça défile. Et voilà, on va se poser ici. Avec Lydia qui va descendre encore un peu. Voilà. Parfait, je vais venir à côté de toi. Voilà. Alors, il me gâche si des problèmes à Blancherive, je vous en ma fin de session dans le donjon de Fort Dragon. Lydia avance. Ce con là ne s'est pas bougé. Vous allez bien, j'espère. Avance. Tourne-toi, Lydia. Voilà. Alors, voilà, c'est la fin de cette petite session où il s'est passé pas mal de choses, l'air de rien. On a appris notre premier mode de puissance, mode pouvoir, tomb, je ne sais pas. Bref, notre premier cri. On a défoncé la gueule à un dragon et on a une grosse bonasse. L'arrière, par choc. Je confirme, on a une grosse bonasse qui nous sert de Tan. Non, c'est nous, Tan. Huskarl. Moi, je suis Tan et c'est le Huskarl. Voilà. Et donc, dans la prochaine session, on se rendra tout.
tout là-haut alors apparemment. Pour aller voir les vieux grises barbes qui m'ont invoqué de façon assez spectaculaire, on peut se le dire. Ça me fait un peu peur. Et donc voilà. Allez, on dégaine de façon totalement épique. On rengaine de façon totalement épique. Et on se dit à la prochaine session, les amis.